Dieu. Ah, attends, laisse-moi libérer. Le Kraken. Attends. Donc on va juger de la qualité du projet, de la qualité de l'équipe, de la qualité humaine, de la scalabilité, donc des projections et des potentialités du projet à créer de la valeur, créer de l'emploi, créer du chiffre. Je suis contente que ce soit fait, que ce soit passé. Voilà, c'est un point en moins, mais en même temps, voilà, on est dans l'excitation et j'ai hâte pour la suite. Je suis sur un petit nuage, je suis plus que contente. J'étais stressée, mais on dirait que tout le monde a apprécié mon concept et c'était déjà ce que je vous souhaitais, qu'ils comprennent. Ça va. Comment tu te sens ? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Moi, j'étais stressée, mais j'ai essayé de le cacher, mais je pense que ça se voyait bien, bien. Ça va mieux. Je suis contente. Je suis contente parce que j'ai fait ce que je voulais faire et je suis restée focus. C'est bon, c'est la bourse aux pailles. C'est fait. Franchement. C'est pas toi qui nous as dit que la bourse aux pailles t'a démonté comme un meuble Ikea. Moi. Mais j'espère qu'ils ont compris. Ils ont compris ça pourquoi j'étais. Au cours de ce pitch, je me suis sentie très nerveuse. Je dirais pas stressée, mais vraiment nerveuse. J'entendais ma voix qui tremblait. Mais toutefois, j'ai réussi à dire l'essentiel, à faire passer le message, et c'est ce que je voulais. J'avais tellement de choses à dire, et du coup, j'ai dû couper un petit peu pour éviter de dépasser le temps. Mais je suis contente que ça soit passé, parce que juste avant, j'avais l'impression que mes nerfs allaient lâcher après toutes ces semaines intensives qu'on a pu passer. Et là, vraiment, c'est un grand soulagement. Voilà, un souffle de joie. C'est soulagé, c'était un dur exercice, franchement, pour ma part. Ouais, c'était un vraiment dur exercice. La prise de parole, le fait d'avoir appris un texte, de pouvoir coller dans le temps, surtout, ça, c'était super dur pour moi. Ouais. Il a fait exactement ce qu'il était venu faire. Après, il était stressé, mais je pense qu'il a réussi son défi, qu'il s'était lancé. C'est la délivrance, putain. Je me sens libérée, délivrée, et surtout contente d'avoir pu délivrer mon message, parce qu'il est important. Tu avais beaucoup répété ? Oui. Jusqu'à 2h, souvent 2h du matin. Aujourd'hui aussi ? Ouais, mais... toute la journée. Mais arrivé ici, il y a tout qui est parti. J'ai pas pu terminer, mais je pense que toutes les informations étaient visibles. Donc c'est bon, je pars satisfaite quand même. Je suis agréablement surpris, je suis fier de moi pour tout ce que j'ai accompli. Et puis c'est la concrétisation, quoi. Donc il faut y aller. Ah ben, c'est carrément quelque chose de pas évident. C'est pas facile, on perd vite ses moyens, on perd vite le fil. Donc voilà, c'est un exercice qui s'improvise pas. Soulagée, je suis contente, c'était un mois vraiment intensif. Il y a des moments où je me disais à mon associé, je ne vais pas y arriver, je suis trop fatiguée, je ne vois pas le bout. Et je suis contente d'être arrivée au bout. C'est une victoire. Rien que là, je suis victorieuse pour ça. Je vois les choses qui se concrétisent. Il y a un petit pincement au cœur quand même parce qu'on s'attache aux gens. Voilà. Et vous, là, ce soir ? Un peu, ouais, quand même. Mine de rien.